Bonjour à tous et bienvenue sur So Fresh and Diet, la chaîne qui vous donne la pêche. Aujourd'hui, lecture d'articles sur comment rester motivé en hiver. Oui, des fois, voilà, on se lance dans un programme d'amincissement, mais l'hiver avec ce temps froid, ce temps gris, c'est toujours un peu plus compliqué de rester motivé. Je vous donne dans cet article quelques conseils pour vous aider à garder votre motivation et surtout pour vous aider à atteindre vos objectifs. Je suis Solène Benimeli, diététicienne nutritionniste spécialiste de votre amincissement durable et sans régime. Et oui, mincir avec plaisir, c'est possible et c'est vraiment ce que je transmets dans mon accompagnement. Je vous transmets beaucoup d'astuces, beaucoup de règles d'équilibre alimentaire qui vous permettent d'associer le plaisir de manger, le plaisir de sortir, le plaisir de faire un écart de temps en temps et comment réguler votre alimentation de façon à ce qu'elle reste équilibrée, ce qui vous permet donc d'une part de mincir et surtout, deuxièmement, de stabiliser votre poids parce qu'en fait, vous ne faites pas un régime et après vous remangez normalement. Non, c'est vraiment apprendre à manger équilibré et surtout en prenant en compte vos habitudes de vie, vos habitudes alimentaires. C'est vraiment toute une stratégie personnalisée pour qu'elle soit durable. Allez, je vous laisse avec la lecture de cet article et je vous dis à très vite. Se motiver et même l'hiver, c'est possible. Avez-vous entrepris une démarche de prendre soin de vous et de perte de poids en fin d'été ou même à la rentrée ? Le froid et les pluies commencent à pointer le bout de leur nez et les nez commencent à couler. Si vous ressentez une baisse de motivation, c'est normal. Notre morale est très saison dépendante, si je puis dire. Voici quelques conseils pour que vous restiez motivé et puissiez atteindre vos objectifs. Conseil numéro 1. Rappelez-vous régulièrement quel était votre déclic qui vous a poussé à démarrer votre démarche. Et conseil numéro 2, en lien avec ce premier conseil, listez les bénéfices que vous apporte votre objectif ou vos objectifs, donc en l'occurrence votre perte de poids. Mémorisez des mots-clés, par exemple liberté physique, féminité ou santé. Conseil numéro 3, préparez-vous un planning à la semaine, un planning de menu afin de le suivre même en cas de flemme. Et n'hésitez pas justement à utiliser des aliments pratiques à l'emploi pour pallier au pas envie de cuisiner pour certaines soirées de journée bien remplies. Et à contrario, n'hésitez pas à inclure dans vos menus des bons petits plats d'hiver comme des bœufs bourguignons par exemple, qu'il est tout à fait possible de cuisiner de façon peu calorique et du coup qui vous feront plaisir pour rester motivé. Faites aussi une cure de vitamines et de minéraux en cas de fatigue et vous pouvez faire une cure de rhodiole, c'est une plante adaptogène. En cas de baisse de morale, elle booste la motivation. Voilà, bon courage à tous, mais en tout cas, restez motivés et restez dans la simplicité. Mincir avec plaisir, c'est possible. En tout cas, si vous avez besoin de motivation cet hiver, vous pouvez aussi venir me consulter et bénéficier de mon accompagnement qui est totalement personnalisé pour vous rendre du coup justement la chose plus facile. Et c'est surtout un coaching avec une séance par mois. Donc, quand il y a des périodes avec des baisses de motivation, eh bien notre séance va vous permettre de vous rebooster et de continuer de mincir et donc d'atteindre vos objectifs. En tout cas, je vous dis à très vite et surtout, régalez-vous bien. Yeah.